Merci d'accueillir dans les studios Yamina Ladé, notre invité, s'il vous plaît. Allez là. Welcome back. Thank you. New studio. New studio. Everything is new. Yeah, yeah. Wow, congratulations. Team is new. Yes, the team is Thank new. You. Yeah, yeah, uh-huh. Yeah. New smiles, new faces. New smiles, faces. Enchanté tout le monde. Enchanté. No, your French is good, huh? Un petit. Oh, okay. Tu parles anglais? Yes, a little bit too. Very good. Yeah, we're going to speak Franglish. Yes. You get it. It's okay? You get it. How are you doing? I'm fine, thank you. Yemi Alade, elle est là pour nous parler de ce concert qui aura lieu samedi au Zénith, au Zénith de Paris, bien évidemment, une grosse date, une date importante. Tu l'as déjà fait, le Zénith? Have you ever done the Zénith? No. But non? Olympia, le Trianon, oui. Okay. Mais Zénith, non. It's okay. Bigger, c'est plus oui. grand. Elle oui, a déjà fait l'Olympia, ouais. et l'Olympia et le Trianon, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Donc bon, grosse date. La journée se passe bien, tout va bien. What did you eat for lunch? I haven't eaten yet. It's yeah? been a, yes, it's been. A, I tell you, but I plan that after this, I eat big. I have a big meal, and then I go for dance rehearsals because Saturday is a big day. 21st September is okay. a big day. Elle a dit qu'elle a pas encore mangé, donc oui. là après ça, là, elle va bien bien manger, et oui. ensuite elle va aller faire ses répétitions oui. parce que samedi c'est le grand show. Oui. Donc c'est important. You know what? Tell we got a surprise for you. Yeah. Last time you came is something like 2 or 3 years ago. You tell me something. Mm. What do you like to eat in Paris? Crêpe. Crêpe? Crêpe avec Nutella. So we have Nutella. And we have homemade crepe. Oh my God. For no, you. You're gonna just make for me you. Cry. Just for you. Tu veux me plaire ici? et on va remercier Louisa, la sœur de Baro. Yes, grâce à qui yes, 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 c'est vrai. Yes, 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 that's my sister who made it. Oh, kisses. Merci beaucoup. So, oh. right now, because you didn't, you haven't hit, uh-huh. you can take a Nutella. Right away. Oui, 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 yeah? oui, oui. Okay. Yes. Nara, yes. on va lui passer. Right away. Le Merci. Couteau. I have a crepe. Ooh. Just for you. Oh, yes. Wait, we're all gonna eat this. Yeah, first. Yes, don't worry. But I'll eat first because I'm the hungriest. Yes. Voilà. Alors, enfin, ça tombe bien. Elle adore les crêpes au Nutella. Quand elle vient à Paris, on lui a fait des crêpes maison. Voilà, directement. Comme ça, c'est mieux d'aborder l'interview avec le ce genre de choses. Le ventre blanc. Rebel Queen is your last album. Yes. Released on July. Yes. I guess. Yes, c'est ton dernier yes, album, yes, Rebel yes. Queen. What Rebel Queen actions you did in your life? My whole life. Yeah? My whole life. And it is a thing where every day, everything that I've done, when I look back at my career, I see that I have always done things the way I like, the way I want. Not what society wants, the way society wants me to look, to dress, to talk, to sing. I've always done it my way and I feel like a rebel in that way. Ok, mm-hmm. en fait, ce qu'elle explique, c'est ouais, que... Je vais demander, j'ai oublié de traduire la question, mais je vais demander quelles actions de Rebel Queen elle a fait dans sa vie. Okay. Parce que son album s'appelle Rebel Queen, et du coup, elle a dit que de toute sa vie, en fait, elle a été rebelle, que ce soit dans sa manière de s'habiller, de chanter, ouais. de tout faire. Ouais. Elle a pas fait comme la société voulait qu'elle mm-hmm. fasse. Elle a fait toutes les choses à sa manière, donc c'est pour ça qu'elle se considère comme rebelle. Ouais. Ok. Et t'es comment, toi, avant un concert? Est-ce que t'es excité, t'es angoissé, est-ce que t'es pressé ou rien du tout, t'es détendu? What is your feeling before a concert? Are you excited? Are you nervous? It's a mixture of everything. Oh, yeah? Okay. I'm nervous, I'm excited, I'm scared. But the number one feeling is that I can't wait to meet everybody. It's like the first time. It's always like the first time for me. It's so exciting. I'm crazy over it. En fait, elle a tout. En fait, elle a peur, elle est stressée et tout. Un mélange mais de tout. En premier, ce qu'elle attend, c'est de retrouver les gens, en fait. C'est vraiment, à chaque fois, elle dit, c'est comme si c'était la première fois qu'elle rencontrait son public. Ok. Et est-ce que tu as un petit rituel, un petit truc que tu fais avant de monter sur scène pour te donner la force ou pas? Do you have something like something that you do every time before going on stage? Number one thing I do is I rehearse. Rehearsal, 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 des répétitions, rehearsal. Des répétitions, des répétitions. Number one. But the next thing I do is I go quiet. I don't talk to anybody. Okay. I don't talk to anybody. I just pray in my heart and I stay quiet. I just, my mind is thinking. I just stay quiet. No conversation. Okay. Okay. Elle parle pas avec personne. Elle prie, elle reste concentrée juste avant le concert. Okay. Voilà. How is the crepe? Comment, elle est comment la crêpe? Comment la crêpe? La crêpe You're de feeding me. I didn't know I was gonna get fed. Thank you.
Thank you. Elle a dit merci de la nourrir. Oui. C'est le goûter. Avec ma soeur, merci beaucoup pour le crêpe. Merci ma soeur. Est-ce que t'es du genre perfectionniste? Are you a perfectionist? Hi. I think if you look at my career so far, you can see that I'm a perfectionist. Mm-hmm. It's good and it's bad. What is bad? Why is bad? Pourquoi c'est mauvais? Because nothing in life is perfect. Ouais. So it's like a struggle every time. Every day you're struggling to make what is almost impossible. But it's good because that means you always be close to perfect. Ok. Et tu te dépasses à chaque fois. Tu peux traduire? Ah, ok. Barou était dans la crêpe là. J'étais dans la crêpe de ouf. Je suis désolé. C'est juste une interview bazardée. C'est tout ce que je fous. Mais du coup, de ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, il n'y a rien de parfait dans la vie. Mm-hmm. Donc, elle est perfectionniste, mais en gros, elle essaie de se rapprocher le plus de ce qui est la perfection, tu vois. Donc, Ok. Mm-hmm. Et alors, c'est quoi le pire pour toi qui puisse se passer pendant un concert? The worst thing that could happen during a concert. Ah. Maybe if the police come. for you? Mais je ne sais pas. I think that would be like the worst possible situation, because if the police come, it's over. Nothing you can do. Yes. But I think the worst thing possible is if I open my mouth and there's no voice. Elle a dit le pire truc qui pourrait arriver, c'est si elle ouvre sa bouche et qu'il n'y a pas de son qui sort, si elle n'a pas sa voix. C'est un cauchemar que tu fais des fois, ça. Is that a nightmare that you can sometimes do? I think you guys just unlocked this new nightmare. I never thought of it before. Elle a dit on a débloqué ce nouveau cauchemar. Ouais. You guys did this. It's... Okay. No, ils t'ont travaillé. I reject it. Non. This one is for your Friday night. Okay. No. Yeah. Never. Vendredi soir, elle fera certainement ce petit cauchemar. On va faire une petite pause. On est toujours avec Yemi Alade, évidemment, yes, qui a digéré la crêpe. Donc c'est bon, on peut y aller, on peut passer aux choses sérieuses. Let me introduce you, Nala. Hi, Nala. Nala, nice to meet you. Nala is our music specialist. You know, she's multi instrumentalist. I don't know if it's I enjoyed what she was okay. doing. Yeah. And what you have just in front of you is a melodica. Do you know that instrument? It's a melodica. I have seen it before online, but I've never seen one in person. Melodica, c'est un petit instrument avec lequel Nala aime bien nous faire des blind tests, instruments pourris. The melodica is... you're going to hear... It's like a harmonica, melodica. Yes, sort exactly. of. Yeah. C'est comme un harmonica. Tu peux nous faire un petit démo du son que ça sort? Voilà. Voilà, très bien, c'est bon, ça suffira. So we're gonna do a blind test. We're gonna play together. Okay. La thématique c'est classic R&B 2000. Let's go. I know you like R&B. I like R&B. I know the songs. I hope I don't fail. So she's gonna play some classic US R&B from 2000. All right. D'accord. If you want to tell your answer, you have to tell your name first. It's like a brother, okay? So you say Yemi before. Yes. Okay, you say Yemi before doing saying the answer. All right? Okay. On doit donner son prénom, son blaze avant de donner la réponse, ça c'est la règle. D'accord. You must say the artist and the title of the song. All right? Yeah. If you only say the artist, and I come behind you and say the title, point is for me. The first to have 2 points. Okay. You always do that. Yeah. Just know. The first one to get 2 points, win. Okay. Okay. Le premier qui a 2 points gagne. Okay, et c'est comme d'habitude, il faut donner l'artiste et le titre. Nala, c'est à ton tour de briller. Let's go. Barreau! Mieux que ça. Oh, il a, il a. Busta Rhymes. Ouais. Maria Carey. Oui. I know what you want. Baby, you give it to me. I know what you want. Ouais. Attendez. Okay, thank you. I give it to you. Excusez-moi. I know what you want. Excusez-moi. You know I got it. Baby, if you give it to me. Excusez-moi. I give it to you. I know what you want. Hey! Baby, if you give it to me. Il a oublié de dire Flip Mode Squad dans les futurs. Non, this is Busta Rhymes, Mariah Carey, and the Flip Mode Squad. But we'll leave it for him. I give it to him. Okay. Thank you.
Il a le point. On y va pour le deuxième. Okay. Barreau peut gagner avec cette, avec cette Barreau, réponse. Barreau, mon poulain, je crois en toi. C'est parti. C'est pas moi ton poulain, putain. Non, non, visiblement non. Pouliche. Je suis désolée. Bah. Bon, bref, pour une prochaine. Mouxa. Ouais. Ah. Ah, je sais. Mouxa, c'est bon, je peux y aller. Oui. Nelly Furtado. Timbaland. Yummy, yummy. Timbaland. No, I was first. Oh. I'm sorry. Nelly Furtado avec Timbaland. Ouais. Il don't have the title. Promiscuous Girl. Oh oui, c'est bon. Oh, oh, franchement. Magnifique. Franchement, Nala. Ouais, t'as vu, je le faisais un décolle quand même. Vas-y, on va mettre la pression. Ah non. Déjà, mais she cheat. She cheated. She cheated. I cheated? Yes. Did you cheat? No. Look, look, look. You gave him a clue? Elle dit qu'elle a triché. Non. She gave him way too much time. Yeah. But I did the countdown. I tried to pressure him. Même elle a dit mieux que ça. Après, il y a eu quoi? 4 secondes, le temps mec. Réfléchis. Non. Je voulais juste expliquer à Yemi que j'avais été le plus rapide. Ah non. T'as réfléchi. Et elle a dit son nom après. Elle avait pas. Ok, tu l'avais toi? Non. Alors tout ce bavardage pour rien. Ah. Égalité entre Barreau okay, et moi. Let's go. Look, it's so competitive in here. Yeah, I know, I'm look, sorry. Every time. He's those bitch. Oh my god. Okay, this one is my favorite beach. One. Allez, on est reparti pour le troisième. Mouxa, Mouxa, Mouxa. Nelly, Kelly Rowland, Dilemma. Let's go. No matter what I do. C'est elle qui a répondu en premier. Ouais. Let's go. I hate you. Yeah. Hate you. Hate you. Hate you. I do. No matter what I do. Woo! All I think about is hey, vous savez quoi? Je suis bon joueur. Je donne le point à Yemi. Oh, oui. You have the point, ok. Oh my god, parce qu'elle l'a dit avant toi, donc forcément. Wait, you're too kind. Elle n'avait pas dit son nom, la règle c'est yes, le nom. Yes, because you forgot to tell your name. You said ah. Elle a dit, mais elle a dit Nelly au lieu de Yemi. Voilà, elle est nouvelle, elle est nouvelle dans le game, donc okay, elle l'a pas dit. Ok, you got the point. Okay, you sure? Have the point. You're sure? I'm sure. I'm watching you. Allez, on va essayer de se départager avec celui-là. This is the last one. Let's go. Oh no, you gotta win. Come on! She's not even trying. Just the melody, but that's all. Hein. I know the title, le titre. Ouais. C'est difficile, non? Ok. Allez. Olivia! Putain, ça c'est Jennifer Lopez! Oui. Oh, elle a la touffe! Elle a la touffe! Il n'y a pas le titre. Le titre. Mouxa. Wait, Yami J-Lo from the block. Non. Mouxa, get right. La victoire est pour moi, s'il vous plaît. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. Is that the title, Get Right? Get Right, yeah. Oh my god, we failed. Oh no. That's crazy. But at least you kind of, you. Yeah. Un petit. Hey. Oh, puis elle persiste. Elle persiste avec son truc. Oh. Merci beaucoup. Beaucoup de flow. Merci beaucoup Nala pour ce blind test mélodica. Il y a rien, tout plaisir est pour moi. Thank you Yemi. Thank you. That was good. I loved it. You're next good. Time, thank you. Next time it will be for you. Ah yeah. I need to do my homework. One me. Bon, on rappelle que Yemi Alade sera samedi au Zénith pour un gros concert. Est-ce qu'il y aura des invités? Do you plan to invite some guests? Of course. Yeah. Of course. That. I will not tell you. No, you have to go. Come on. C'est la surprise, non? C'est la surprise. Only one guest. Yes, only one. Non. Elle marche bien fait, je vais mourir. It's okay. Okay. Je regrette pas de pas lui avoir concédé la victoire. Bon, thank you so much, Yemi, for being with us. Next thank time you, you come. The win is for you. Okay. I come prepared. Bon, il reste quelques places. Allez voir Yemi au Zénith, en tout cas. C'est samedi là, le 21, samedi qui arrive, avec des invités dont elle ne veut pas nous parler. Mais il y aura du monde, en tout cas.